Salut tout le monde, salut les cafardillos. La finale du Major Astralis vs Ents. Première carte sera Train. Ensuite, ce sera Inferno. Et si les équipes ne finissent pas en 2-0, la dernière map sera Overpass. Je vois bien un petit Astralis gagner, vu les maps, bien évidemment. Ce que des maps déséquilibrées avec des avantages de side. Et là, vu que c'est le pic de Ents, bah, Astralis commence CT. Et Astralis kiffe aussi Train, donc ils peuvent très bien mettre la map. Le choix de carte de Ents. Voilà, tout simplement. On commence. Et vous avez tous mes réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à venir me follow. Twitter, Instagram. Et ceux qui jouent à Fortnite, code MalekCSGO dans la boutique. Voilà, vous savez que vous pouvez me soutenir directement. Ça me rapporte de l'argent. 5% de tous vos achats. Donc, let's go. C'est Train, map très lente. Donc là, on est en round d'observation. Contrôle map tranquille. On a double stuff, on a du stuff que sur Alexib. Et là, on fait une splita. Comme vous pouvez le voir, on est en train de prendre le IV. Il y a déjà X7 qui fait tomber Magisk et Glaive maintenant qui tombe aussi. On va se mettre en direction auto. Et on est en 5v3 déjà. On est déjà en 5v3, 5v2. Maintenant, désormais, on a push le CT. Ça y est, X7 il s'est fait enfin punir. Dupré qui a réussi à au moins rentrer un petit kill. Là, 2v4, ça va être très compliqué. Hein. C'était un bon split qu'ils nous ont fait, Ents. Avec prise du IV, prise du pop et le team main en même temps, bien synchronisé, après avoir attendu quelques secondes. Voilà, le JRMI, les CT vont même pas chercher à comprendre. On va save les Kevlar et tout, ça sert à rien de donner 300$ à des terreaux. On save nos petits Kevlar, on s'achètera des petits pistoles ensuite. Voilà, on joue comme d'habitude, propre chez Astralis. On essaie de faire des exits pour essayer d'avoir des kills, Dupré qui tombe, ça passera pas. Kukin, merci pour le sub gros, big up à toi. Quasiment 500 subs aussi sur la chaîne Twitch. Donc s'il y en a qui ont des Twitch Prime, tout ça, passez sur le stream de temps en temps, lâchez le sub. Big up à tout le monde. Beau GR de la part de Ents avec, bah, c'est les headshots, hein. Ils sont rentrés individuellement dedans, c'est direct. Enfin, post technique de la part de Astralis avec Glaive qui a un problème de micro, visiblement. Les achats n'ont pas été faits côté Astralis, donc on va voir ce qu'ils font. Parce que Astralis peut se permettre de full écho avec la nouvelle méta économique où on gagne 1900 à partir du deuxième round après le pistol. Vu qu'ils vont gagner 2400 au prochain round, ils vont avoir bah, 4400, quasi tous, sauf Dupré qui sera à 4750, qui pourra même acheter un AWAP. Donc ça va full écho, ça achète le pistol. Je pense qu'on peut limite full écho pour le round d'armée ensuite. Surtout que 4400, ça te permet d'avoir une Og, un petit Kevlar, une Smoke, tu peux facilement deny. Et voilà, là c'est ce qui est en train de se passer. Et côté Ents, on prend Mac 10 UMP, Galil, voilà, 3 rifles et 2 SMG. Tranquillement. 99% de vote pour Astralis. Hein. On est confiance. On est en confiance là. Voilà, Alu qui met une grosse HE. Il vient finir son kill, il a pris un petit poke quand même. En train de se repositionner, voilà, le hack est pris. Tous les kills qui partent, c'est un quasi parfait. Xipnix qui a toujours son Kevlar. Mais voilà, il tombe tranquille. Il a pris un petit kill, Xipnix, ça va lui permettre d'avoir 4750 comme vous pouvez le voir. Et peut-être de dropper un AWAP et, qui sera un élément important. Et, vous voyez, là il hésite, il sait pas ce qu'il fait. Voilà, il le fera pas, il va acheter la Hog. Full 5 Hog, c'est vraiment la particularité que peut permettre d'offrir la Hog. C'est un mini sniper, surtout sur une map comme Train où elle est archi cheatée. C'est-à-dire que je pense que la map où elle est le plus cheatée, c'est clairement Train parce que c'est des très longues lignes et c'est surtout des micro-lignes à chaque fois. Il y a des trains, c'est du métal. Donc l'époque à la M4, sur le métal, ça met rien du tout. Alors que là, la Hog, ça met beaucoup de dégâts. Oh là là, Sergei qui a fait un gros move sur Glaive. Voilà, Glaive qui recule, Dupré qui fait déjà un moins 2 sur le team main. Ils ont essayé de sortir. Madis qui est solide sur son IV. Voilà, Glaive qui attend, il fait son petit kill. C'est le seul qui avait la M4, Glaive. Et voilà, maintenant Alexib qui se retrouve en 1v5. C'est un perfect. C'est un perfect round de la part d'Astralis. Alors Astralis, c'est vraiment eux qui ont un peu. Comment dire ouais, j'ai envie de dire démocratiser le fait de jouer à deux pop. Et donc là, on peut voir qu'il y avait Glaive parce qu'on était sur sa vue. Mais il y a Dupré qui a fait les deux kills ici qui justement est avec lui. Comme ça, si on perd la moindre zone, bah, Dupré il peut venir ici en Fouini et tuer. Oh, bah, on a Magis qui s'est fait punir parce qu'il a push le Ivy. On va aller voir son cadavre tout de suite. Voilà, il est là. Dommage de perdre une arme.
surtout qu'on est en 5v1. Et si ça sort T-Main, bah Glaive, s'il est pas attendu, derrière il peut se retourner et tuer des mecs qui seront de dos parce qu'ils vont pas, ils vont se dire on en a tué un pop, il y en aura pas deux. Et c'est eux clairement qui ont un peu renouvelé la méta en mettant deux joueurs pop et personne au niveau du T-Main, quoi, au niveau du sandwich, du Olof, tout ça. Benissen, merci pour le sub, le 34e mois. Là on va avoir un contact, voilà, Device dans la smoke, comme d'habitude, Astralis c'est des killers dans les smokes, on les connaît. Salut Malek, salut Mtis, merci pour le don, à toi aussi. Et merci à Benissen pour le 34e mois de sub. Quasiment 3 ans de sub sur ma chaîne Twitch. Donc c'est énorme mon pote, merci beaucoup. On est sur du Force Buy côté Ents avec maintenant la WAP. Ça peut être un élément clé parce que bien évidemment sur les micro-lignes, les hogs vont être statiques et donc elles peuvent se faire décaler par un sniper. Et lui, c'est vraiment une map qu'il affectionne. Voilà, on essaye de bloquer tout de suite la sortie XT. Mais on va traverser les molos, etc., etc. Sergei qui va arriver, il va pouvoir surprendre là, Sergei. Voilà, il va surprendre un mec, mais bon, vu qu'il a un MAC-10, il arrive pas. Ils sont très solides, Astralis. Oh là là, ça part en double round perfect. Et on passe déjà au cinquième round avec plus d'argent pour Ents. Et Astralis qui, vu qu'il save 5 armes et 4 armes, bah maintenant il commence à avoir de l'argent, à plus savoir qu'en faire. Et là, on a décidé d'acheter un AWAP. On a décidé d'acheter un AWAP côté device. Peut-être pas le bon choix tout de suite, parce que bon, là c'est de la full écho. Il aurait pu se mettre de l'argent et buy plus tard. Enfin, le round d'après, quoi. Mais bon, il va tenter le pic hauteur. En plus, ça vient en B. Voilà, le changement de rythme, on va le voir. Est-ce que ça paye tout de suite? Voilà, il fait le kill, il se repositionne. C'est magnifique ce que sont en train de faire Astralis. Ils sont solides, ils arrivent à changer de rythme, à prendre un pic agressif. Voilà. Et Device qui se repositionne le plus long possible. Voilà, il fait une brochette derrière. Oh là 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 là. Il fait le 4 kill, Device. Oh, oh. Et je lui ai dit quoi? Ouais, il aurait peut-être pas dû prendre la WAP, il aurait pu se faire de l'argent. Ma bite, ouais. Il a été trop chaud ce bâtard. Incroyable. Device magnifique. Donc ouais, c'est là Astralis. Voilà. Même si c'est le choix de map de Ents, je tiens à préciser que voilà, vu que c'est Ents qui choisit la map, c'est Astralis qui choisit le side. Et affronter Astralis sur train, une de leurs bonnes maps aussi, hein, parce que à ce niveau-là, toutes les maps sont maîtrisées. Et voilà, bah tu tombes contre une montagne. On va voir ce que vont pouvoir faire Ents. Et il faut rien qu'il lâche. Il faut rien qu'il lâche. Astralis, on sait quel niveau ils ont. Voilà, on bloque tout de suite. Ouais, et tout à l'heure, Device qui était en A. Voilà, il saute bien la ligne. Il va attendre que la molo se dissipe pour éviter la fumée noire. Et il pique au niveau du T-Main. Voilà, Device, un joueur très talentueux, très complet, très polyvalent. Dans le sens où il sait jouer passif, il sait jouer agressif, il sait jouer le A, le B. C'est ça la force d'un sniper aujourd'hui. Et de systématiquement changer sa ligne. Il voit qu'il n'a pas de duel au niveau du Ivy, du T-Main. Hop, il va pick Ivy. Il a raté son shot. Il bloque le Ivy tout de suite. Et il va se repositionner. Et voilà. Et cette fois, il va essayer de prendre un truc un peu plus agressif. Parce que depuis tout à l'heure, il a vu que le T-Main, il n'y avait rien. Donc, bah, magnifique. C'était un round d'analyse de Device. Mais on va passer sur la vue globale maintenant. Ok. On a Glaive. Comme vous pouvez le voir, hein, toujours. On va se mettre sur Glaive. Comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est clairement leur setup à deux, où on est deux vraiment collés pour pouvoir se reprendre. Si Glaive meurt, on a tout de suite voilà Djibril qui va venir dedans dans le pop. C'est vraiment leur setup à Astralis. Ils font ça depuis très longtemps et c'est très très fort. On est en train de se rediriger vers le B côté Ents. Madis qui a un contact, il meurt. Il sait que X7 est l'extrémité. Hein. Donc là, regardez, Exitrix. Oh là là, qui prend un énorme headshot. Superbe round de la part de Ents. Qui va le mettre à l'exploit individuel, on va dire. Enfin, au skill individuel, où les headshots ont parlé. Et voilà, c'est un round quasi parfait de la part de Ents, qui perd aucune arme. Dupré, il est tout seul au niveau du pop. Il va essayer peut-être de faire des exits pour essayer d'impacter l'économique de Ents. Parce que là, maintenant, Ents, en ayant mis ce round et en économisant 5 armes, et ils ont upgrade aussi l'Akadalu, qui maintenant a pick up la WAP de Device. Et donc ouais, et en plus ils ont tous écho au niveau du spawn ZT, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne qui va écho là où est Dupré. Donc c'est compliqué. C'est compliqué ce round là pour Astralis. On va voir s'ils vont vite se remettre dedans
pour essayer d'impacter l'économie de Hetz. Et voilà, petit à petit, 3-3, ça se resserre, c'est pas mal. Superbe round de la part de Hetz, vraiment, avec X7 qui met un gros headshot sur ma disque dans un premier temps, et Alu qui a mis une vraie patate dans la bouche de Xipnix. Hein. Xipnix qui voyait, même s'il avait l'avantage au niveau... de la hog, on va dire ça comme ça, en rapport puissance, le petit zoom et tout. Il a pris one tap à la K, hein, faut pas rêver non plus. Le dynamisme dans CS est systématiquement récompensé. Il y a toujours un avantage à la décale. J'ai déjà fait le tuto sur les décales et j'ai expliqué qu'avec l'œil à droite, etc., la rapidité, la vélocité en tout cas de déplacement, on est toujours récompensé là-dessus. Et voilà, là on a une petite pause technique qui glaive. Glaive qui a encore un problème de micro. Et là c'est relancé immédiatement. Let's go les mecs, let's go. Et j'espère à tous, voilà, ceux qui jouent à Fortnite, voilà, si vous kiffez les tutos, si vous kiffez un peu le contenu que j'ai pu vous faire, voilà, si vous voulez me remercier pour tout ça, juste un petit code MalekCSGO et je peux gagner de l'argent avec, donc ça fait très plaisir. On s'est jamais, on s'est tout dit, on s'est jamais caché quoi que ce soit, donc enfin moi en tout cas j'ai toujours été honnête. Et bah voilà, moi je vous remercierai énormément si c'était le cas. N'hésitez pas à venir me DM sur Twitter, me tweeter ou sur Instagram aussi. Les petits screens de vos codes, on partage ça dans tous les sens. Ça y est, le match va reprendre. Et là, on va voir un petit peu l'achat. On a Device qui a toujours pas acheté. Hein, on ne sait pas ce qu'il achète. Je pense qu'il va prendre le sniper. Hein. Super important d'avoir un sniper sur cette map. Et voilà, il a pris le snipe. Et là, Device, comme vous pouvez le voir sur la carte, il passe par les anciens BP. Lui qui a essayé de faire un fast. On met une première activité au niveau du A. Ma disque, regardez. Qui est très, 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 très. Voilà, là, on a un nouveau setup. Toujours un Device. Voilà. Tout à l'heure, il a pique le B, il a pique le teammate. Maintenant, il y a ma disque qui est ici. Device, s'il rate le shot d'Awap, bah, c'est ma disque qui punit derrière. Vous voyez, c'est la double ligne en mode Device est là. S'il y en a un qui saute la ligne, bah Magis le tue. Et là, le setup a été payant. Encore une fois, on a un changement de rythme, on va dire. Un changement de setup défensif de la part d'Astralis qui leur permet encore une fois d'avoir un avantage de kill numérique dès le début du round. Et on a une exec en B toute simple de la part de Hens. Et ils se repositionnaient, regardez, Xipnix. Ils sont deux en B maintenant pour les réceptionner. Glaive qui met bien la mono pour contrer. Il prend encore un gros headshot. Est-ce qu'ils vont s'attendre à ce qu'il y en ait un deuxième? Xipnix fait le kill, Dupré a déjà rush le pop. Merci pour le sub mon pote Acro, c'est lourd. Et là on se retrouve déjà 2v4 et on est tout enfermé. Bah, Xipnix dans les smokes, on le sait hein. Astralis c'est kill dans les smokes 24/24. Même si le bug radar a été corrigé, voilà. Là on s'attendait pas à ça côté Magisk. Et encore un petit kill dans les smokes côté Xipnix, parce qu'on aime ça côté Astralis. Les fumigènes, c'est comme le couscous pour moi frère. C'est on aime bien, on le sait. Toi c'est la tartiflette, les purées steak haché aussi. Pour les petits babtous, on vous connaît, donc tranquille. 4-3, reset économique pour Hens. Bien évidemment, vu qu'ils ont éco 5 armes, bah, ils peuvent quand même acheter. Mais c'est encore une fois un round clé et on va voir ce qu'on vous nous proposer Astralis, parce que depuis tout à l'heure, quand même, ils mènent quand même là-dedans. On va pas se mentir, ils sont quand même très très chauds. Quand même très très chauds. Voir Device qui maintenant il est sur le BP, il s'est fait booster sur le BP. C'est magnifique, enfin. Moi, je vais juste vous montrer. Device, il a demandé un boost. Regardez, là, il est tombé. Il a demandé un boost pour avoir le pic sur le wood. D'accord? Sur le petit wood. Quand le terreau monte sur le wood ici. Voilà, Sergei qui s'est tué. C'est le carnage là-bas en B. C'est pas CB. Mais regardez, vous voyez, Device, tous les rounds, il tente un nouveau truc. Tous les rounds, il a quelque chose. C'est incroyable. Là, on n'est pas dans du sniper. Je sais pas quoi là. On s'est sniper. Donc là, on joue la retake. On attend tranquillement que les smokes se dissipent. On attend que les mecs un peu veuillent pique, etc. On va repique la hauteur. Voilà, on joue lent, on dézone. Oh là là, ah, Device qui prend un énorme headshot. Glaive qui en fait un, Madis qui en fait un. On est 3v1, on smoke la bombe pour la retake à la fin. Voilà, il va être cover des deux côtés. Normalement, ça devrait bien se passer pour lui. Et voilà, il est revenge au calme. Superbe round de la part encore une fois d'Astralis. Et vous avez pu le voir dès le début du round. Device qui demande un boost. Donc un coup il a été B. Un coup il a été team main. Ensuite ils ont fait le double setup Ivy en early. On parle que de début de round hein. Après vous pouvez voir que mécaniquement les rotations, je joue la retake en B, on attend les derniers moments. C'est clean hein. Genre
C'est pour ça que Astralis est la meilleure équipe du monde et que, bon, mon pronostic c'était Astralis, même si Ents, ils ont fait la surprise un peu partout. Genre, on voit bien que c'est un ton au-dessus, quoi. C'est vraiment un petit ton au-dessus. C'est un petit ton au-dessus. On va voir ce qui est en train de se produire. Voilà, on a un flash pick. On a un flash pick côté Dupré qui passe pas. Device cette fois qui a pris la M4. Il en fait un. Il sait qu'il y en a un Olof bloqué. Voilà, Glaive et lui vont mettre la double HE. Et là, il meurt. Voilà, regardez. Enfin, on va parler de la réactivité des deux là. Mais enfin, il y a Glaive, il était là. Hein. Il sait qu'il y en a un Olof. Le mec smoke. Viens en double HE, frère. Vous vous rendez compte? Bam, bam, la double HE, elle est instantanément sortie de l'inventaire. Bam, bam, il la met. Pendant ce temps-là, c'est pas grave, les mecs sont passés en B, mais voilà, on s'en fout, on est en train de clear tout le spawn CT, comme vous pouvez le voir. On sait que toutes les zones peuvent être commises, Xipnix qui va y aller au coup d'épaule tranquillement. On attend, et on joue la retake. Le B, c'est comme ça que ça se joue de toute façon sur cette map. Ah, lui qui va peut-être en surprendre pour avoir un kill. Alors, il va arriver à prendre Glaive. C'est super ça, parce que ça va impacter un peu l'économie. Voilà, on laisse le mec Diffuse qui a le kit. Et là, on est bien. Côté Astralis, on commence vraiment à prendre le large. 6-3, on économise 3 armes. Device qui va certainement avoir un AWA. Vous pouvez voir que tout le monde est à plus de 10k, 8k, 9k. Enfin, c'est... Là, c'est masterclass. Classe mondiale de Counter-Strike. Et on sait, on aime le jeu. Là, on aime le jeu. Il y aurait une autre finale, t'aurais bien kiffé. Non, Ents mérite largement leur finale. Largement leur finale. On a eu une finale aussi avant l'heure avec Astralis et MIBR qui était de grande classe aussi. Navi Ents, c'était un grand match aussi. Non, moi j'ai kiffé. Tous les matchs des playoffs étaient vraiment très intenses. Et j'ai kiffé. Sauf peut-être celui de Nip. Et encore sur D2, il était extraordinaire le match de Luc. Merci beaucoup pour le sub. Et là, on a encore une fois Device qui pique en B. Vous voyez là le boost qu'on fait sur le team main, là les deux flashs que vient de prendre à lui. Voilà, le boost tout à l'heure sur le BP de Device, c'était pour contrer ça justement. Et là on peut voir, on va se mettre sur Device par exemple, c'est le playmaker. Là il a pick hauteur B, il a rien vu. Maintenant il dézone tout le B, ça permet à quoi? Regardez tout le B, regardez en bas de la carte, tout le B est vide. Et ça permet à la défense de se mettre à 4 en A. Voilà, de se mettre à 4 en A. On a Device qui au niveau du pop, Xipnix. Voilà, qui retourne en B, pourquoi? Parce que Device il a été mis, il a pris une petite flash donc il a reculé. Et il va reprendre la formation Device. Voilà, on lâche pas. Et derrière Xipnix il va se repositionner d'ici 15 secondes, il va se repositionner au niveau du A. Parce que Device il va dire frérot t'inquiète, j'ai pas de truc. Voilà. Et là Xipnix vous voyez, il est déjà en train de bouger. Voilà, magnifique, c'est masterclass. Pendant ce temps, on est en train de taper Glaive. Voilà, on sait que c'est sorti un peu XT, il a tué un mec Ivy. Là il va se smoke sandwich, il va se faire surprendre. Ouais. Oh là là, il se repositionne bien. Il a réussi à faire quand même des dégâts. C'est revenge aussi par Xipnix maintenant. Wolfrey, merci pour le sub mon pote. Madis qui fait le kill. Dupré qui est dans le pop qui en fait un. Xipnix qui enchaîne sur le revenge. C'est quasi parfait. Même s'il y a des échanges un peu, c'est toujours à l'avantage d'Astralis qui est en supériorité numérique. Monsieur Théo, bisous à toi. Merci pour le sub juste avant. Et Wolframe, bisous à toi pour le 7ème mois de sub, c'est lourd mon pote. Go Astralis, même si Ents a ses chances. Oui, bien évidemment, il y a une post-tactique de la part de Ents. Donc ils ont mis 3 rounds, hein. Il y a le GR bien évidemment, donc ça c'est round 50-50, t'en mets un deuxième. Dès lors que Astralis a mis son round tranquille, voilà. Là on a un round vraiment à l'exploit, on va pas dire qu'il y a une suprématie de Ents sur le round où ils l'ont mis. Rappelez-vous, c'était le round où X7 il tartine Madisk au niveau du Ivy et Alu il tartine Xipnix. Voilà, ils sont en 5v3, ils ont pris les positions et voilà, les rounds émis. C'est le round vraiment exploit individuel. Sinon, on peut voir que depuis tout à l'heure, il y a une domination extrême de la part d'Astralis. On a souvent le early kill, on a une monnaie vraiment qui nous permet de prendre des risques aussi, d'accord? C'est-à-dire que tu te dis, vas-y, moi je vais pique, je vais tenter des choses, il y a ça aussi, mais tout est maîtrisé. On a un device qui bouge un peu partout. On a Glaive, Dupré qui sont très très forts au niveau de leur pop. On a Madis qui arrive à gérer tout seul son truc. Xipnix qui est électronique qui bouge aussi. Enfin, pour l'instant, c'est très très propre ce qu'ils sont en train de nous faire. Mendo Prod, bisous à toi mon pote. Merci pour le sub. Hop. X7 qui prend en late. Hop, petit exploit individuel de la part de X7. Il a calmé Glaive, il a pris deux tapes direct. Ça peut venir de là. Hein. La clé peut venir d'ici. On voit que ça spam un peu les smokes. Astralis kiffe ça. On est sorti dans les smokes. Hein. Là, on est sorti dans les smokes. Vous pouvez voir Ariel, Sergei, tout ça. Ils sont tous sortis dans les smokes. On arrive à prendre un deuxième kill. Est-ce qu'on arrive à enchaîner? Oh là là, Xipnix qui fait le moins 3 avec le spray à la hog. Voilà, on est le HP, on se replace côté du spray. Xipnix qui essaye de faire la diff, mais ça passe pas. On est 2v2 désormais. Chopel, merci pour le sub. Bienvenue à toi, gros. Bisous.
Voilà, 2v2, là on freeze, on essaie d'attendre les erreurs, que ce soit côté CT, côté Terron, on essaie de reprendre des positions beaucoup plus avantagées en reculant. On peut voir Dupré qui était au niveau du paradis, il s'est fait poc, il est descendu, là il a reculé en CIA BP. Et c'est Device qui fait le taf. Pourquoi? Parce que Device est full HP. Après il devrait échanger les armes. Voilà, on peut voir qu'ils ont échangé les armes. Laisser Device au riff parce qu'il a les full HP. Et Dupré qui passe au sniper parce qu'il est low HP. Et on a peur un peu que les mecs se soient avancés au niveau des trains. Donc on va clear tout le côté oil, etc. La bombe est posée au niveau du A. Non, on a peur encore que ce soit du B. Ça y est, on vient de comprendre que c'est du A. Donc Dupré va back. Là peut-être que Device il va laisser Dupré passer devant. Pour essayer de, je sais pas, on va voir. Hop, voilà, il a un contact, il en tue un. Device pour l'instant, il va smoker la bombe pour son pote. Allez, smoke la bombe. On clear, on fait le wall. On reload, on a le contact, on est en 1v1 désormais. Je trouve que c'est mal joué, hein, tout à l'heure. Je crois pas qu'il a le temps. 3, 2, 1, il a pas le temps. Il a pas le temps. On va essayer de save la WAP, non, il meurt. C'est un beau round de la part de N, c'est encore une fois l'exploit, hein, même si c'était des pistoles. X7, il a pris le pop, headshot, on a réussi à faire des trails, le 2v2 qui a été bien joué. Pour moi, Device aurait dû smoke la bombe pour essayer de faire peur un peu au terreau et de se montrer. Mais là, il l'a pas fait, je sais pas pourquoi. Super beau round de la part de N, ça fait plaisir. Un peu de compatibilité, il faut qu'il grappille round après round, comme ça, quand ils vont passer CT, parce que bon, c'est une map très avantagée, ils peuvent le faire, hein, ils peuvent mettre le mur en CT et essayer de revenir dans le match correctement. Donc là, encore un de round. Pour Enz, c'est un side validé. Mais on a de l'argent côté CT, c'est ça le problème pour Enz. On a beaucoup d'argent côté CT. Voilà. Regardez, on fait un start 4 en A. Device qui revient tout de suite en B. Pourquoi? Parce que Xixx s'est fait flasher en B. Donc Device qui revient en B. On peut voir Sergei tout en bas de la carte à gauche. Sergei qui a pris son B. Il a flashé le B bas. Xixx a été obligé de reculer. Et maintenant il a son B haut. Ça force Device à revenir sur son B. D'accord, c'est pour ça. Au début, ils étaient 4 en A. Dès que Xipnix il a eu une pression en B, il a dit hey, pep, les mecs, faut venir m'aider. Et là, on est en train de se repositionner. Côté Device, il va lâcher d'ici quelques secondes, je pense. Il ne pourra pas rester à 3. S'il se passerait un B, il se passerait un B. Et là, on temporise côté Ends. C'est normal, on essaie de faire tomber. Là, on a une redirection. On va faire un flash pick côté Dupré. Il va se faire punir. Voilà, c'est obligé. Il n'y a même pas de flash, il n'y a rien. C'est désastreux ce qu'il vient de faire Dupré. On dirait Apex, gros. On bloque. Voilà, Glaive qui va devoir défendre son pop. Juste après, Madis qui arrive à faire un kill super important pour rétablir la balance numérique. On est 4v4. Oh là là, Alex, il prend des risques à sortir de l'échelle comme ça. Ouais. Maintenant, Glaive a mis le doute. Il a fait un petit shot et il s'est repositionné. Voilà, maintenant, ils vont avoir peur qu'il y a un mec au niveau du contact. La sortie XT, elle est colle. Ils sont toujours 2B, hein. Donc là c'est parfait. C'est parfait ce que fait Enz parce que là ils sont 4v2. Ils sont 4v2 maintenant sur le A. Là les rotations vont arriver, voilà. Device, on peut voir en bas de la carte, il est déjà en train de bouger. Hop, Madis qui est en train de faire le round. Il a son deuxième kill. Glaive qui temporise dans la smoke, il va juste attendre. Voilà, le kill dans la smoke. Aïe. Le round qui va être très très dur là. Alex qui est en train de poser la bombe. Il est tombé, Aluke, 1v3-2, pardon, maintenant, la bombe est tombée, il a une seconde, il va attendre que le mec, il va même pas pouvoir économiser derrière, il a pas d'argent. Rune parfait de la part d'Astralis, même en infériorité numérique, ils étaient 4v5 à cause de Dupré qui a pick. On a Magis qui a fait l'exploit individuel de pick le heavy, il fait un kill, il était en difficulté au niveau de l'enfer, donc les informations les gars, pour ceux qui connaissent pas, l'enfer c'est ici, d'accord. Enfer c'est là, c'est toute cette zone, enfer. Ou City Quad pour ceux qui parlent un peu anglais, qui font des matchmaking. Donc on l'a vu là quand il a pris le kill ici. Derrière Glaive qui a énormément temporisé, on a une post-tactique, un côté terreau pour essayer de se remettre dedans. On a Glaive qui a mis son shot. Derrière, il sait qu'il a, là, il est en difficulté, il reste 35 secondes, il va se faire overrush. Donc regardez le positionnement, l'intelligence du truc. Il met sa pression parce que le mec il se dit y en a un pop. Ils reculent, même quand les mecs descendent, ils se disent non mais il est pas là, donc ils ont peur de la zone électrique. Ils ont peur peut-être de cette zone, ils ont peur peut-être de la ligne cassée qui est ici. Parce que Glaive maintenant qu'il a mis de l'activité, les mecs ont peur de là. Mais non, il s'est repositionné au niveau du P et il meurt jamais, il attend son bon timing. Et là il prend le kill, enfin c'est la masterclass. Quand il y a même un mec qui fait une erreur, là Dupré c'est la première erreur d'Astralis sur 12 rounds.
Les rattraper par les coéquipiers et c'est une erreur sur 12 rounds quoi. Sinon on n'a pas vu grand chose. Alexis B qui essaye de prendre qui essaye de prendre de vitesse le pop. On vient le chercher. Dupré, encore une fois c'est toi. T'es vraiment un cochon gros. T'es le cousin Apex, c'est incroyable. Faut savoir qu'ils ont les mêmes rôles. Hein. C'est clairement les mêmes rôles et ça me surprend pas du tout. On se overrush. Voilà, on est en train de faire des kills côté glaive. Oh là là, Device qui lui sauve les miches. Il reste qu'à Alexis B. Et voilà. Voilà. Donc même là encore Dupré qui grid, c'est de l'écho, il va aller le chercher. Le plan de jeu était pas mal. Hein. On a Molo, on sait que le mec est passé à gauche parce qu'on a entendu le tic de la Molo. Derrière on a Che sur le côté. C'est juste que Dupré quand il a décalé, il a pris deux balles CZ instantanément. Il a foiré tout son spray et il le tue pas. Mais en réalité le choix était pas trop mal. On a bien utilisé. Enfin, il y avait un call et il y avait une tactique autour, c'est-à-dire qu'on a mis la HE, on a mis le truc. Donc, il y avait quand même, c'était quand même intéressant, tu vois. Même si c'est de l'écho, on veut grid, on y va quand même avec une idée tactique derrière, quoi. Côté terreau, on était toujours de changer de rythme. Oh là là, on prend une grosse flash. Là, on l'a vu, Alu qui prend un gros headshot, Device. Il s'est fait spot, il lui met un cheveu, il essaie de se repositionner. Ouais, il peut pas tenter plus de shots parce que là il va se faire overrush. On peut voir déjà que sur le B, il y a trois mecs qui ont pris déjà tout le B lobby, toute la room B. Je sais pas comment vous appelez ça. Glaive qui est dans son pop, voilà, Dupré qui depuis 3 rounds meurt en entrée en faisant totalement des trucs un peu trop agressifs. Trop en confiance, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a aucune justesse dans ce qu'il fait depuis tout à l'heure et c'est pas cool pour ses coéquipiers qui doivent systématiquement rattraper les erreurs. On est deux côté B. Bon, dès que la room B est prise, vous pouvez voir que systématiquement Astralis se repositionne à 2B. C'est comme ça et c'est Device qui fait le. C'est l'électron libre Device. C'est le sniper, c'est pour ça qu'il a des stats hors normes, qu'il est considéré comme le meilleur joueur de cette équipe. Même là, à l'heure actuelle, il a quand même 12 kills. Bon, il y a Xipnix, mais bon, Xipnix, on se rappelle aussi des petits kills échos qu'il a fait. Mais voilà, Device qui bouge partout, qui a là, la responsabilité du BO. Xipnix qui est au niveau du Z. Comme ça, il est quand même B, mais il a une rotation très rapide au niveau du A. Et là, on a déjà des shots, voilà, Madis qui prend un shot. Donc forcément, Xipnix, il est en train de rotate. Glaive qui garde son pop. Qui va faire son petit kill. On se remet en directeur auto. Voilà, c'est du tir au pigeon. Hein. Vous voyez la hog, ce que ça permet. Ça, c'était des duels. Madis, là, il fait 3 kills. Il a tué le mec Ivy. Il a tué un mec Ivy là-bas. Et après, il a joué tous ses duels ici. Ça, la M4, avant, elle te permettait pas de faire ça. C'est-à-dire que c'était des duels que tu mettais 4, 5, 6 hits peut-être pour les tuer. Pourquoi? Parce que il suffit même qu'un hit touche des murs ou des trucs comme ça. Tout de suite, le taux de pénétration de l'arme, il est nul. Donc la balle va pas faire beaucoup de dégâts. Et alors qu'à la hog, bah, il enchaîne les kills. Et il joue avec confiance parce que ça met en confiance, quoi. Et derrière, voilà, Madis 15 kills. Les petits kills qui mettent bien. Et Dupré, encore une fois, qui est rattrapé par ses coéquipiers. Alors, on a un appel de Steph qui est fait au niveau du A. Il faut vraiment essayer de récupérer ce dernier round pour Hens. Pour espérer, hein, parce que sinon le pistol va être super important. Voilà, Madis qui va mettre une grosse HE, je pense. Même pas. X7, il arrive à la dodge. Petit kill de petit wall dans les smokes, tout ça. Alexis B qui se fait smoke. Donc ça, c'est la smoke Astralis. Hein. C'est Glaive qui met cette smoke. Ou c'est Dupré. C'est Dupré qui doit jouer dedans. Il a raté. Ça s'est passé. Ah non, c'est ce trou de balle qui a raté sa smoke. Okay. Glaive, quand il est en pop, des fois, il smoke au-dessus. Mais là, il a pas fait. Voilà, Device qui permet à Astralis de jouer à 4 le A. Regardez, Device, il a rushé le B encore une fois. Donc tous les 3 rounds, 4 rounds, Device, il tente un truc. C'est son timing. Et regardez ce que ça permet. Ça permet à la défense d'être à 4 en A. Alors, on a Madis qui a la responsabilité du IV. On a Glaive qui est team main. Xipnix BP et Dupré au niveau du P2. Qui sera très certainement pas attendu. Parce que là, la pause, elle va faire très très mal ici. Voilà, la prise IV qui est lancée. Oh là là, Madis qui reload, qui se fait totalement surprendre. Glaive qui sait qu'il y en a un all-off, il n'arrive pas à le tuer. Là ça commence à partir en cacahuète. Voilà. Dupré, ça va faire un kill de 2 balles de Xipnix à la hog. Ah celui-là la M4 qui serait jamais passé, qu'on soit bien clair. Et Astralis, tant bien que mal, qui arrive
à rétablir la balance numérique et à se mettre en 2v1 à 10 secondes de la fin et Dupré qui est en haut. Voilà, la pause, je pense que personne n'attendait. Donc depuis tout à l'heure, Dupré, il a été agressif, ça n'a pas marché. Il se repositionne un peu de manière passive. Il a dit, hey, Dupré, tu fais que mourir, espèce de bâtard. Va dans le P2. Le mec, il s'est foutu dans le P2, il n'a pas bougé et il a été chaud. Darking, merci pour le sub, mon frérot. Bisous. Ariel, ouais, je l'appelle tête de lavabo, gros, il me casse les couilles avec son pseudo. Ariel, il fait chier. Gros. Mais tranquille, tout le monde sait que c'est le fils de la vaisselle maintenant, donc tranquille. La Hog est balanced par rapport à la K. Même la K est plus forte, hein, parce que la K one tap dans la tête, mais c'est juste le zoom. Donc t'as vu tout à l'heure, Alu qui arrive à tuer Xipnix contre une Hog, ça arrive une fois dans 15 rounds. Donc là on a un pistol, on a un round exploit individuel, on a le round là où le mec a rushé le pop, il a mis deux balles à glaive, il récupère la M4, ça arrive un peu à overrush. Donc on a un exploit individuel et un pistol, on n'a aucun round armé. Et on a vu que la Hog systématiquement elle leur permettait aussi de gagner. Donc tu me dis ouais c'est balancé, je veux bien sur des maps comme Cache, ce genre de choses. Mais là sur train tu peux pas me dire que c'est balancé. La Hog est overcheatée sur cette map. Genre t'es là, t'es statique, enfin là le kill qu'il prend ici là, au ras du cul. Il est là comme ça, il joue avec justement le truc de métal. Il est là comme ça, il zoom, il voit à peine le crâne du mec. Bon, il faut du skill aussi. Hein. Là, le mec sort, t'imagines frère, il voit... le mec à la K qui sort, il voit un poil de kékette dépasser du panneau sans s'interdit là. Lui, il vote la tête. Bam! Le mec, il a pris deux balles. Il n'y a aucune balance. Enfin, tu vois bien que ça apporte un avantage selon les maps. C'est juste qu'après, il faut être intelligent, tu vois, faut savoir le jouer, faut savoir se positionner, se mettre en valeur avec l'arme. Là-dessus, je suis d'accord, tu vois, la K offre plus de mobilité, etc., etc. Tu headshot, tu tues un mec, fait beaucoup plus de dégâts, vraiment, tu vois, mais pour le coup, moi, je trouve Log vraiment cheaté, surtout sur des maps comme ça. Et là, on peut voir que Astralis, même sur le choix de carte de Hens, mais bon, je le répète, Astralis surkiffe. Et la joue depuis des années et est très fort dessus. De toute façon, sur quelle map ils sont pas forts ces mecs. Et là, c'est une leçon de Counter-Strike, encore une fois, au niveau du CT. On a eu du passif, on a eu de l'agressif, on a eu des changements de rythme, on a eu un device en début de side qui a été très impactant. Ensuite, on a vu un Xipnix, ensuite, on a vu un Glaive une ou deux fois, ensuite, on a vu un Matisque une ou deux fois. Le dernier round, on a vu Dupré. On a systématiquement une individualité qui va faire un kill, deux kills très importants, qui va faire remporter le round en fait. Parce que les mecs, il y a vraiment une concordance, tu vois, une coordination de call, de setup, de déplacement qui est forte, quoi. Il y en a un qui se fait surprendre, les autres ne se font pas surprendre. Enfin, on va pas se mentir, mais là, il y a deux, trois fois où il y a un mec qui est mort de dos ou de profil ou qui s'est fait un peu surprendre, tu vois, Madis qui quand il était en train de reload. Sinon, les mecs, ils sont jamais surpris. Full focus, tu vois, mais après, tu vois, c'est un major et tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai vu des équipes totalement se faire surprendre, quoi. Mais vraiment. Donc, tranquille. Là, le match va reprendre et on est bon. Je rappelle à tout le monde les réseaux sociaux dans la description. Twitter, Instagram, très actif. Si vous voulez me DM et tout, sans aucun problème, me tweeter des questions, on est hal. Me suggérer des tutos, on est hal. Et code créateur Malek-CSGO. Vous l'avez dans la description, vous l'avez partout. De toute façon, je fais que le spam. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent sur Fortnite avec le code. Et là, on a un pistol. Côté Astralis, on a deux stuffers. Voilà, on a la fast smoke. Ok, c'est la fast smoke pour le B, ça. Ok. Comme vous pouvez le voir, on va voir où les smokes vont. Une Z, une Ivy. Et on sort XT. X7 qui va prendre un kill. On mollo derrière. C'est pas mauvais là ce que sont en train de faire. Else. Avec justement jouer vraiment les longues lignes. Voilà. Dupré qui est en 1v3 maintenant. Il sait qu'il y en a un P2. Il sait qu'il y en a un CRVP. Il en tue un. Il est en 1v1 désormais. Il est tué par fils de la vaisselle. Et là maintenant, on récupère le kit. On est bien, le GR qui va permettre de garder les espoirs côté Hens. Et c'était partagé, mais super bien joué de la part de Hens. Juste pour vous rappeler que le GR là, il y a eu une smoke ici,
une smoke là et une mollo ici. Alors cette smoke elle permet d'éviter les long limbs comme ça du SP. Les long limbs comme ça du SP des mecs qui sortent T-main et des mecs qui sortent pop. Les mecs qui sont BP, ils peuvent pas pick ici, ils peuvent pas pick ici, ils peuvent pas pick ici, ils sont obligés de reculer. Et les mecs qui sont là en long ligne aux côtés du T-main et en coup d'épaule ici, ils sont obligés aussi de reculer. Donc même si ce plan de jeu n'a pas marché, enfin ils ont tous reculé au niveau d'ancien BP, ils ont mis des headshots et c'est passé pour eux. Donc deux pistoles pour Ents. Ça peut leur permettre de revenir dedans, on y croit. Anthony, merci pour le sub. Je te fais un bisou, frère. Merci beaucoup. Voilà, à lui qui tartine Xipnix au niveau du B. Et là, on se repositionne à lui. On va réceptionner au MP9. On en fait 2, on en fait 3. Et on en fait peut-être pas 4. Et Madiscar va faire un petit kill. Mais il est totalement renfermé. Il est partout. Tout le monde le renferme. Il y a Alexis B qui est au Spantero. Vous pouvez voir tout en haut de la carte. Alexis B qui l'a renfermé et voilà qui va le tuer. Merci, au revoir. Come back. Bah là ça fait quand même deux pistoles que mes hands. C'est à dire que il y a deux rounds ici, ça fait 4 rounds sur les 6 qui sont des pistoles. Sinon tous les rounds armés ont été mis par Astralis. Après maintenant c'est le side CT et c'est un choix de carte de hands. Ils jouent la map, ils sont bons sur la map, tu vois. Enfin on va pas se mentir, hands c'est quand même bon là dessus donc on y croit. Je vois un peu du beau jeu aussi côté Ents, ça me ferait super plaisir. Parce que là, Astralis, ils ont montré qu'ils étaient très forts sur le side CT. Le side terror est très très dur. Hein, très très dur sur cette carte. Vraiment. Hop, on a une prise du B avec la flash qui va partir au niveau du B bas pour aider Xipnix, ça décale. Voilà, elle part. On attend, on n'y va pas. Pendant ce temps, on a pris le T-Main côté Alexis B. Voilà, Sergei qui est tout seul au niveau du B. Hein, tout seul. Alu qui n'a pas d'AWAP. Device qui, regardez, au lieu d'avoir une AWAP, il a une petite Krieg là. Lui aussi, il a un truc avec un zoom là. Krieg, on appelle ça Krieg normalement, ouais, en terreau. C'est jeu très lent, hein. Il faut laisser les CT utiliser leur smoke, leur molotov, c'est super important. Les rotations dans cette zone, toujours en slow, comme fait Glaive. Parce que s'il y a un mec T-Main, bah, il t'entend. Et bizarrement, bah, il y a un mec T-Main. Donc c'est très très bien parce que lui, on lui donne aucune info. Pour le moment, voilà, et Glaive qui a. Voilà, il sait, hein. On sait que le T-Main est. Que le T-Main est potentiellement un danger. Voilà, alors maintenant on sait clairement que les CT ont le T-Main, il reste 45 secondes. Sergei a du stuff pour le B, on est en train de. Alexis B, il prend un peu des risques. Le call, on sait pas trop ce qu'on fait, parce que là on est en train de prendre la Tox, avec Glaive et Madis qui sont en train de prendre la Tox tout en slow. Et c'est payant, il y a X7 qui est là, 20 secondes. 20 secondes, on se dirige sur une speed B. On dirige sur une speed B, les mecs qui vont passer spawn. X7 qui arrive à faire un kill dans la smoke. Voilà, en B. Aïe. Sergei qui fait d'énormes dégâts au pont et qui meurt pas. Superbe round de la part là de Astralis et de Ents. Voilà, 1v2. Maintenant, la bombe est pas posée pour toi, Glaive. Il va même pas essayer de la jouer, je pense. Ça sert à rien. Faut savoir que quand on pose la bombe, même si on perd le round, on a de l'argent. Donc Glaive là il a 4400 et il garde son AK. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir la drop à Xipnix qui est le plus pauvre. Voilà, donc, premier round armé. Déjà on est sur un 1v2. Ça tape. Mais bon, ils étaient sous-équipés. Hence Sergei qui a pas la possibilité de faire un kill. Qui a juste un fusil à pompe auto. Voilà, et là on décide de force, même pas, on décide même pas de force côté Astralis. On veut se mettre bien, on fait un petit achat juste pour faire une CPL, fin de round. Glaive qui prend le... Oh là là, il met des gros dégâts. La HE, ça force tête de lavabo à reculer. On est 5v5 et on a pris le pop, c'est une grosse zone le pop. Hein. Grosse zone. Superbe round là de la part de Glaive, déjà rien que le début. Il a mis grosse pression à Ariel. Ariel est en train de se repositionner. Il veut pas lâcher la zone. Il va avoir le culot de la reprendre. Ouais, il est en train de se. De reprendre. Vous pouvez le voir sur la carte. Il est en train de repush le pop. Ouais, il est en train de le vider. Il attend la flash. Il est revenge. Ça va donner une M4. Ça va donner carrément une M4. On met des dégâts sur Alexib. On va reculer. Et Astralis qui joue très bien. Là, il lâche la zone. Là, ils vont lâcher la zone. Redirection. Alu va devoir aller en A parce que je pense qu'ils les ont entendus rotate.
Voilà, c'est vraiment beau ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on va prendre le Ivy encore une fois. On a mis tellement d'activités au milieu de la carte, enfin en bas de la carte. Train, c'est très atypique. C'est une map qui se joue dans la profondeur, un peu comme Overpass, et les zones sont très faibles. Donc, vu qu'on a mis beaucoup d'activités sur le pop, regardez, tout le Ivy est délaissé. Tout le Ivy est délaissé. Et là, Glaive et Madis, ils vont sur la faiblesse de la map. Imaginez la lecture de jeu, il reste 25 secondes, tout le Ivy est délaissé. Et là, on va avoir un split, et pendant ce temps, Exhibit est en train de faire un fake en B. On a des échanges, Device qui fait le kill. Voilà, il est enfoui, Alex, il va pouvoir faire un kill. Il reste 15 secondes, il est juste en train de gagner du temps. Voilà, il est tué maintenant, Device. On est en 3v2. 3v2 désormais, la bombe va être plantée ou pas? Parce que là, lui, il est concrètement là. Si elle lui reprend, voilà, il va se faire punir. Superbe round à 5 secondes de la fin. C'est wow, extraordinaire ce que vient de faire Astralis. Et Enz qui l'a clairement pas vu venir. Hein. C'est dommage. Alexi B, là, au niveau du team main, il aurait pu en prendre un, aller agressif sur le deuxième. Mais vous avez vu, Device, il a gagné du temps pour que ses coéquipiers arrivent. Je vais vous expliquer un peu. Ses coéquipiers sont arrivés ici. Il a gagné du temps pour que ses coéquipiers arrivent et lui mettent la pression. Et pour que Alexi B, il se sente un peu en danger de derrière lui et de devant. Et là, Device, il sort, il le tue. On arrive à prendre, à poser la bombe. Le seul danger, c'est le Z et l'ancien BP pour les rotations. Aluc a essayé de faire le hero play, c'est pas passé, il se fait sanctionner. On a réussi à upgrade forcément Device qui a réussi à faire 2 kills. Upgrade son AWAP sur son AM4 là, sur le truc. La M4 on l'avait ramassé sur le kill qui était fait dans le pop. Genre maîtrise, lecture de jeu. On est bon, on est très très bon là côté Astralis. Pour ceux qui comprennent pas et tout ça, c'est très difficile de tactiquement de montrer des choses sur train et de les comprendre. Sur Mirage, sur Cache, c'est des maps qui sont dans la largeur. Sur D2, c'est des maps qui sont dans la largeur. Il y a la gauche, le milieu et la droite. Il y a un mid, il y a un A et un B. On est d'accord? Donc tu vois que le mec, il te dit, oh, le A, il est totalement délaissé parce qu'il a fait du bruit en B. Parce que c'est des rotations naturelles. Tu rotates dans la largeur, de la gauche vers la droite. Sur train, c'est totalement différent. Étant donné que tu peux être ici sur train et cover ton team main, faire un coup d'épaule ton team main. Cover en coup d'épaule ton pop, cover en coup d'épaule ton Ivy. Tu dis putain, il n'y a rien eu Ivy, je me repositionne au niveau du team main, etc. Le Ivy est totalement délaissé parce que Alu, il peut, tu sais, quand t'es B, tu te dis vas-y, bah vas-y, je vous prends le Ivy d'ici. Enfin, la map, c'est un carré, en gros, c'est un cercle la map. Donc tu travailles dans la largeur et la profondeur en même temps. Genre, en fait, la map, faut pas la voir comme un carré, il faut la voir comme un cercle. Et en mode, on est tout de suite encerclé sur cette map. Ça se travaille sur la profondeur et sur les lignes de profondeur en fait. Comme des rayons d'un vélo. Alors si vous voyez, imaginez que la carte c'est un vélo et des rayons. Je sais pas, peut-être je ferai un tuto de compréhension de train. Mais ouais, c'est pas dans la largeur, c'est compliqué. Bref, c'est pour ça que c'est une map qui est très peu jouée en France, que les mecs détestent. Ni train, ni Vitality, ni personne la joue parce que c'est des hubs. Hop, on exec sur le B. Côté Vita. Qui est, ma foi, pas un mauvais choix, mais pas un bon non plus. On a Sergei et Alu qui sont en B. Let's go. On va voir ce que ça donne. Exec en B, on est sorti, on prend le gros mur. L'entrée qui est fait sur Sergei. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y en ait un deuxième? Voilà. Dupré qui va toujours plus loin. C'est comme Apex. Hein. C'est comme Apex, Dupré. Toujours. Hein. Lui, il est dans le cochon. Voilà. Derrière lui, ça paye, hein, parce qu'il a de la grosse chatte. Paix à l'âme de son papa qui est décédé aussi pendant ce major, qui est là et qui a beaucoup de courage, beaucoup de voilà, beaucoup de courage, tout ça. Donc bon, je l'insulte pas, mais voilà, enfin paix sur l'âme de son père qui est décédé aussi pendant ce major d'un cancer, et il l'a dit sur les réseaux sociaux et tout, et je pense qu'il sera très fier, enfin il est très fier d'être en finale, très fier d'avoir montré qu'il pouvait performer à haut niveau et tout, c'est ce qu'il a dit. Enfin bref, je le dis comme ça, ça m'a touché personnellement, donc voilà, Dupré le cochon qui fait double kill pour le daron, ça c'est pour le daron. Allez, let's go, on est là. On va écho, hein. ça force les 7 échos. Bon, le B est pris, double kill, bon planté, ça sert à rien de jouer le round. Hop, on va écho, bon choix tactique de la part de Hans. Mais Astralis qui met encore une fois un coup d'enclume sur la tête parce que ça leur permet pas d'avoir, enfin, de l'argent, assez d'argent pour faire un vrai round buy derrière. Peut-être vont prendre le lâche sur un 14-7 ou ce genre de choses. Donc, let's go, on est bon.
Voilà. Et on est dans le match. Hein. On est dans le match côté Astralis. On peut voir qu'au niveau du terreau, ça fait deux fois qu'on a fait des prises. Enfin, le round lac a été diffuse. C'était le B, rappelez-vous. Là, on a changé de rythme, c'était sur le A. Et là, c'était une speed B par le AV en fin de round. Là, on a fait une redirection sur le IV, totalement magnifique, avec un col de glaive très certainement prodigieux. Et là, on est allé à l'exploit, on a essayé de changer de rythme en mode exploit individuel. On est en train de push côté B. C'est attendu, voilà, c'est attendu côté Astralis. On met une petite flash pour prendre son petit pop derrière. On sort côté glaive. Voilà, glaive, c'est un peu le playmaker, celui qui prend un peu les informations, qui prend un peu les risques, qui se sacrifie. Celui qui prend des risques, qui se sacrifie. On a Dupré aussi. Mais on est dans la justesse quoi. Là on lui met des flashs comme vous pouvez le voir pour que Glaive s'infiltre. Il reste dans la smoke. Voilà. Le round va être mis proprement des 5v3. C'est un round écho. Hein. Enfin, les 3 qui sont morts. Enfin, il y en avait 2 qui avaient pas de Kevlar, pas d'armes, etc. Voilà. Là on a une info. Dupré qui fera pas le kill. Il a l'info des 3 derniers. Device qui fait un kill. Qui est Riven? Ça c'est une mauvaise opération parce qu'on perd le sniper. Est-ce qu'on va prendre le temps d'aller le save? Ouais, on va aller le save. Hein. Ça c'est une très mauvaise opération côté Astralis. Hein. Totalement de la faute de Dupré pour le coup parce que c'est lui qui a une position. Un device il est au-dessus donc il peut aller au spawn CT. Alors que Dupré il est toujours dans la room B et c'est lui qui prend les risques, qui se fait totalement sandwich. Device veut l'aider et c'est à cause de lui que voilà. Et on aura donné un AWAP à Els. Et voilà, c'est bon. Enfin, voilà, on va récupérer. Ouais, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Tant que la WAP est tombée, on est bien. On est bien. Superbe, superbe. C'est mort cette map. Bah, c'est totalement différent. Enfin, tactiquement, pour comprendre cette map, c'est beaucoup d'heures de travail et vraiment à appliquer en termes de synchronisation de setup, des rotations parfaites et tout pour bloquer les faiblesses, comprendre où est-ce qu'il y a un trou sur la map et tout, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. C'est pour ça que les Français puent la merde dessus, c'est parce que enfin je dis on, mais c'est plus les autres, et ils la jouent pas du tout, quoi. Oh là là. Un device qui a essayé, voilà, il s'est fait totalement outplay. Il a voulu rester un peu dans la moule, prendre le kill à droite, c'est pas passé. Xipnix qui avait déjà pris le IV, il met pression. C'est dommage hein, parce que là Hens, il n'y a pas à aller chercher. Enfin là le tête de lavabo qui nous fait ça là, c'est dommage. On est 4v4 désormais. Tu vois c'est plus facile sur train de commenter et de dire 4v4, voilà, oh superbe kill. Tu vois, faire du commentary, faire de l'analyse en live. Et même pour vous, je pense que c'est compliqué de comprendre ce que je dis. Superbe flash pick de la part de Hens sur un changement de rythme. On a Luc après un petit kill sur le Hall of qui est revenge par Dupré. 2v3 désormais. Belle opération de la part d'Astralis dans le sens où il y a des kills et surtout on va impacter l'économie. X7 pendant tout ce temps il a rush, Dupré va pas s'y attendre. Ah frère, voilà, hein, il a dit force du daron gros, hop, il lui a mis un espèce de truc de fou. Ça va forcer des rotations avec Alexi B qui est dans le P2 et Sergei qui est forcé de jouer retake le B. Et ils vont faire un pari à 2 en A et c'est clairement le mauvais choix. Et parce qu'ils sont tout simplement en train de se rediriger sur le P. Donc là pareil, encore une fois un call magnifique. Donc ouais, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus facile de dire superbe kill là, voilà, tata, tu vois, en mode commentaire, que d'analyser. Parce que l'analyse sur des maps rectangulaires, carrées, je sais pas comment t'appelles ça, enfin gauche, milieu, droite, cache, Mira, même Inferno, par exemple, qui a le mid, le B c'est sur la gauche, le A c'est sur la droite, tu vois, mais ça se comprend un peu quand même, Mirage. Mais les maps les plus compliquées, c'est Train, c'est Overpass et Nug. Nug, je dirais en troisième, parce qu'une fois que tu as compris les rotations, c'est dans la hauteur, tu vois. Mais sinon, c'est. Enfin, c'est de droite à gauche, Nug, mais il y a la hauteur. Mais sinon, tu comprends parce que c'est de droite à gauche, tu vois. T'as la rampe qui est à droite, à gauche, XT, et le milieu, c'est le BPA, quoi, entre guillemets. En 1v1, voilà, on met la petite mollo pour faire chier. Dupré qui va. Est-ce que ça va être mis? Je crois qu'il le met. Hein. Oh là là, le round, Sergei, magnifique! On était en train de raconter du bullshit. Je pense que je vous ai fait rater un magnifique round. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez eu des petites. Un petit tuto live sur les maps. Donc tranquille. Tu es le meilleur pour faire du commentary, j'ai jamais compris. Jamais
vu quelqu'un qui explique aussi bien. Merci beaucoup, mon pote. Ça me fait très plaisir. Tu trouves que qui est le meilleur joueur de tout le Major? Ah, c'est une équipe qui gagne le Major, c'est pas un joueur. Là, quand tu vois la masterclass d'Astralis, je suis désolé de te dire que c'est Astralis et puis c'est tout. Et tu vois bien qu'il y a un travail d'équipe. Il y a Device qui change de rythme, mais on lui met une flash. Quand c'est pas lui, on a vu Xipnix. Quand c'est pas lui, on a vu Magisk. Enfin, on va pas se mentir, mais il y a quand même du beau travail d'équipe. Sinon, c'est Dupré aussi. Côté N, il n'y a aucune individualité et ils sont en finale. Côté MIBR, il y a quasi aucune individualité. Enfin, pour ceux qui ont regardé les matchs contre Astralis, il y a Phelps, il a été monstrueux sur son extrémité. Il m'a énormément surpris de la qualité de son niveau. Il y a Coldzera, bien évidemment. Mais Fer est très fort, Taco a été bon. Je trouve Fallen très en dessous par rapport à un niveau qu'il a pu afficher avant, tu vois, par exemple. Mais on est dans du jeu d'équipe, là. On est dans du jeu d'équipe. C'est plus le jeu d'il y a 3 ans, gros, où personne ne savait jouer des smokes. Il y avait un mec qui était trop fort, il explosait tout le monde. Là, on est dans du niveau, à l'heure actuelle, où tactiquement, il faut que ce soit maîtrisé. Les rotations, il faut que ce soit maîtrisé. La com, il faut qu'elle soit propre. Il faut pas qu'il y ait de pollution de vocal. Il faut que tout soit clair, pour que tout le monde puisse comprendre les choses. Voilà, là, on est en train de faire une strat XT avec prise du pop, entry kill de glaive, super. Toujours lui qui prend les risques. Et regardez, il fait ça en A pour créer des rotations pour aller en B. Derrière, Sergei qui se choque complètement, qui fait du 1 pour 1. On a Alu qui est au fond du BP. On a Alu, il faudrait smoker un peu les zones, mais on n'a pas de smoke côté terrain. Regardez, on est en 3v3, on est obligé de freeze. On attend un peu les flashs. On est côté BP, on a vu ses pieds. Ah, il a vu ses pieds, il aurait dû tirer dans ses pieds. Là, la bombe vient d'être plantée, tu vois ses pieds. Vous voyez ses pieds en bas? Voilà, et là, il va le tuer dans les pieds. Voilà. Il faut toujours sur train, il y a ce petit tips. Et voilà, Alu qui fait le play. Il aurait pu le tuer depuis bien plus tôt. Alu qui fait le play, on m'a dit qu'en 1v3, ça passe pas. Donc là, vous voyez, quand il était là, vous voyez là le pied là. Ok, là, okay, là vous le voyez. D'accord, vous voyez les pieds ici. Il l'a vu avant, il aurait pu le tuer avant, mais il l'a pas fait. Superbe round de la part de Hans, qui là, pour une fois, écho 3 armes, écho 2 snipers, va pouvoir un peu revenir dans le match. Va pouvoir un peu revenir dans le match. Parce que là, ça met en difficulté. Un petit peu Astralis. Donc là, c'est pour ça qu'Astralis pose. Parce que là, c'est un round où t'es en difficulté. Je le perçois comme ça, dans le sens où là, tactiquement, c'est pas passé le call de glaive. C'est-à-dire que il est sorti XT tout seul dans le pop avec l'entry. Derrière, les rotations n'ont pas été faites. C'est-à-dire que Sergei était là en B et il y avait déjà Alu au fond du B. Donc le fake un peu de glaive, il est pas passé. Mais voyez un peu le rôle de glaive. Il fait du 10-15. Merci Aphrodite pour le sub. Let's go Ents, best cast de ta part. Merci mon pote. On peut voir que là Glaive par exemple fait 10-15. Mais en quel honneur tu peux dire qu'il est mauvais? En quel honneur tu peux dire qu'il est nul? Tu vois les plays qu'il fait depuis tout à l'heure? On le voit prendre le pop agressif. On l'a vu tout à l'heure sortir ici, ensuite mourir. Là on l'a vu faire le fake, sortir, devoir se sacrifier, mourir pour mettre de l'activité, pour que les gens disent sorti en A, sorti en A, pendant que les autres vont en B. Tu vois, c'est ça en fait. Il n'y a pas de individuel. Là, tu peux pas mesurer le pouvoir de glaive. Alors que là, je te montre le move, tu vas me dire, ah ouais, vraiment, là, s'il aurait mis le rune, c'est parce que le fake aurait passé. Mais là, le fake n'est pas passé, mais il y a de l'idée quand même derrière. On tente des choses, tu vois, il y a toujours un truc. Bref, là, on a Madis, Device qui vont travailler le Ivy. Alors, on fait un run boost pour Device pour avoir une ligne sur la droite, pour avoir la WAP, bien évidemment, parce que c'est la ligne la plus ouverte. Le Ivy, c'est la zone la plus ouverte, la plus large, donc c'est un peu comme le mid, entre guillemets, de toutes les maps. Sur Cache, Mirage, etc. Le Ivy, c'est un peu ça. Même si c'est tout, sur toute la gauche de la map, c'est un peu ça, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on envoie tout systématiquement les snipers là-bas. On a une prise du team main pendant ce temps en action-réaction de la part de Ents. Pourquoi? Vu qu'on sait que le sniper, le playmaker, est au niveau gauche de la map, on sait très bien qu'au niveau du centre de la map, il n'y aura rien. Et vous pouvez voir que, par exemple, bah, il n'y a rien au niveau du centre de la map. Parce qu'on peut pas. Stratégiquement, c'est comme ça, quoi. Bref, j'expliquerai ça plus tard. Xgood, merci pour le sub. Je t'embrasse, frérot. J'espère que tu te réabonnes le mois prochain. Voilà, on a pris une petite smoke IV, machin, coup de pression. On est obligé de mettre du contre-stuff. Dupré qui met sa pression au niveau du team main. Tranquillement. Xipnix qui va mettre la smoke XT pour le IV. Hein, vous allez la voir. Xipnix, voilà, il a mis. Allez, je vais vous la montrer. Elle va arriver là. Voilà. Comme ça, ce que ça va permettre, c'est que eux, ils vont sortir. Voilà, à droite pour jouer l'enfer. Voilà, donc magnifique. Vous voyez, tu vois les plays. Là, comment tu peux mesurer que Xipnix il a un impact dans le round. Derrière, il prend son pop et on est clairement un call sandwich du BPA. Hop, on a un dans le team main. Superbe défense de la part des CT qui font un carnage. Merci, au revoir. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient regroupés tous au niveau là, ici, etc.
Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. On a de l'idée systématique. Là, N, c'est clairement en train de revenir dans le match. Et la pause tactique tout à l'heure qui permet un peu de réfléchir. Là, on sent que N peut faire le comeback. Tu vois, même s'il y a 14-10, là, je sens qu'il y a quand même une bonne lecture de jeu de la part de Hens, une bonne défense et de la bonne solidité. Le matrin, c'est ça? Merci beaucoup pour le sub. Je vais t'appeler Martin, c'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup le Martin. Et safety juste avant, bisous à toi aussi. Merci les gars pour les abonnements sur Twitch, c'est lourd de fou. Hop, on est en écho côté Astralis, même si on a 2000, hein, on prend pas de risque, on les laisse revenir à 14-11, derrière on a en écho. Voilà, et on a... What the fuck is this? What the fuck is the win, man? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il y a eu 2 kills d'Eagle, là, il brochette. Attends. C'est quoi, là? Un mort, là. Bon, j'ai pas compris. Ah, d'accord, il a sorti, il a fait un kill ici. Il a fait ça. Headshot. Ah bah, GG. Un autre individuel. Device qui est en train de mettre son activité tout seul au niveau du XT pour essayer de fixer la défense. Regardez ce que ça fait. On a Sergei qui est en train de lâcher son B. Vu que Dupré est sorti. Donc il y a un fake, un double fake pour les autres qui aillent en B. Derrière, ça passe. Côté B, Xipnix qui va être en 1v2 désormais. Donc là, vous voyez, même là, même en écho, on arrive à planter la bombe pour essayer de mettre un extra bonus de l'argent. C'est ça qui est super important. Xipnix, le clutch minifier. On sait tous que c'est le meilleur clutcher del mundo. Bon, là, il a un CZ, 20 HP. Ça va être la merde atomique. Mais tranquille, on y croit. Ouh là 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 là. Si les mecs ne dézonnent pas le sandwich bon on appelle, y a moins qu'ils fassent un petit kill déjà. Oh dommage, il fail. Oh Jesus Christ! Ah dommage, bien joué de la part d'Exip. Vous voyez bien, c'était pas trop mal. Là la bombe, on a un peu peur, on sait pas où aller. Et c'est bon, on l'a trouvé. 4 armes tombées, superbe. Superbe round de la part d'Astralis qui arrive à mettre beaucoup de pression. Bon, l'économie sera jamais impactée là maintenant. Ils ont de l'argent. Hence, ça fait 3-4 rounds qu'ils mettent un peu des beaux rounds. Surtout qu'ils savent les AWAB, donc ils drop juste des petits riffs, ça coûte pas grand chose. Côté Terros, superbe opération aussi parce qu'on a posé la bombe, ça nous donne de l'argent en plus. Et donc, on arrive à acheter bien maintenant. Maintenant, il faut que Device il se réveille et avoir un sniper. Il faudrait qu'il fasse quelque chose. Parce que là, pour Saitero, j'ai trouvé pas impactant du tout Device. À part à la M4, quand il a fait le kill dans le pop, pris la M4 silencieuse, etc. C'était au début. Alors là, on a une grosse trade de la part d'Astralis Early pour essayer de fixer la défense, faire du bruit et tout. On peut voir que ça en fait 4 derrière. On a une sortie. Device qui fait son kill. Ben voilà, c'était ça qu'on voulait. Et là, il faut mettre un petit temps d'arrêt parce qu'on n'a pas la bombe. On n'a pas la bombe, mais les 3 CT sont ici. Voilà, les 3 CT sont ici. On est en 5v3. On a des duels. X7 qui arrive à rétablir la balance. On est 4v3 désormais. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça y est, on est en train de se rediriger. Glaive prend la bombe. Xipnix est en train de prendre son B. Sauf que c'est le mauvais timing parce que Sergei, ça y est, s'est repositionné au niveau du B. Il a la visu. On a toujours Madisk infiltré au niveau du Olof. On a toujours Device qui a la ligne au niveau du teammate. Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà, il attend le rotate player. Il attend les plays. Voilà, il saute, il prend les infos. Tranquillement. On y va tout doucement. On travaille ligne par ligne. Pareil pour X7. Voilà, c'est très bon. Ça y est, on s'est vu un, on en a vu un sur le pop. Il croit que le mec est parti, il va se repositionner. Device, il va faire ce round. Il fallait juste lui demander. Il est revenge, on est en 3v2, à lui peut-être. Maintenant, il a pris un petit hit. À lui qui rate son shot, trop important. Xipnix qui fait le round. Et merci Astralis, 3v1. Ça va être plutôt facile, je pense. Voilà, on a le contact, 2v1 maintenant. Ouyouyou. La daronne en lambeau, Malek en Merco, merci pour le don frérot, merci, ça fait plaisir de fou. Voilà, la petite mollo qui va plutôt être bien tentée, mais c'est sur la droite. Gros shot de la part de Xipnix encore une fois. Donc on a un doublé de Xipnix, un doublé de Device, avec clairement un bon round de la part de Device qui a step up quand il fallait. Et on a le draw, on a le draw pour Astralis. Après je vous le dis, hein, c'est quand même... N c'est dans son match, ils ont un full round... ah bah non, ils ont pas un full round d'armée. Aïe aïe aïe. Vu que justement tout à l'heure avec Xipnix qui était en clutch et tout, ça leur a impacté l'économie. Ils ont eu qu'un round bonus. Donc là ils ont pas de sniper, ça va être vraiment l'avantage d'Astralis. Faut qu'ils jouent très lentement, qu'on prenne les pics, etc., etc. Donc le même play que tout à l'heure, avec 3 dans le team main qui mettent de l'activité. Alu qui va essayer d'agresser à la Hog pour essayer d'avoir un contact. Y'a rien. Voilà, on a un duel. On va prendre le contact. 2. On fait du 2 pour 1, 3v3 désormais avec Device qui arrive à prendre un kill dans la smoke. Mais comment il le tue?
Ah non, il est dans le T-Main device, ok. Ok, 3v3. 3v3, avantage terreau. Hein. Tout qu'on soit bien clair. Tous les 3v3 c'est avantage terreau. Pendant ce temps, il y a Sergei qui a push le B. Il y a Sergei qui a push le B pendant ce temps. C'est superbe ce qu'a fait Sergei. Ça va libérer beaucoup d'espace. Et on a Glaive qui arrive en B. Il va pas avoir. Il va pas avoir. C'est impossible qu'il le sente venir. La décalance low, il a pris des balles. Voilà, Xipnix qui sait que Sergei s'est repositionné. X7 et Tête de Biscotte, ils sont deux dans le pop. Tout le IV est clear. Et regardez ce qu'est en train de faire Device. Voilà, Xipnix qui a pris l'info. Là, c'est jeu de communication. Déceler la faiblesse. On a la bombe. 2v3, ça se met très facilement. Voilà, on a attendu. On a mis la mollo. Il va être naïf du deuxième. Voilà, il va être naïf du deuxième. Maintenant, Xipnix est au courant. Donc, il va aller sur le B parce que, en gros, il peut pas prendre le duel sur le pop. S'il descend, il se fait allumer. Et Sergei, qui est au niveau de la hauteur, mais jamais il l'attendra, c'est impossible. Il va le laisser planter, c'est impossible de mettre ce round. C'est impossible de mettre ce round pour Xipnix. Ah bah là, il est en train de faire le move qui va le faire gagner. C'est incroyable. Bah, qui peut le faire gagner, mais en tout cas, il fait le move qui peut le mettre bien, quoi. Parce que là, maintenant, en fait, voilà, il est même pas naïf du B. Enfin, là, là, là. Quel joueur. On n'a pas de kit côté Enz. On a qu'un CZ côté Sergei. Donc on va pas pouvoir jouer les longues distances sur les duels. On en a un BO, un BBA. Oh là 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 là, comment j'ai la pression. Il est juste au-dessus de lui. Oh,